Bon, on a déjà toute une série d'éléments qui relèvent d'une médecine à deux vitesses, mais il est clair que si les prix des médicaments, par exemple les médicaments dans le domaine du cancer, explosent et qu'on se retrouve avec des coûts de traitement sans limite aucune, on va tout droit effectivement vers une médecine à deux vitesses. Avec d'un côté ceux qui peuvent se payer ces nouvelles thérapies et d'autres qui relèvent de la santé publique, quelque chose qu'on a toujours tenté d'éviter en Suisse et qui est aujourd'hui sous pression par la politique des prix de la pharma. Bon, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on aille vers une régulation des prix par les autorités politiques. Le système dans lequel les grandes sociétés pharmaceutiques fixent pratiquement librement, sans aucune exigence en matière de transparence, sans aucune exigence en matière de comptabilité, le prix des médicaments est extrêmement délicat pour nous, d'autant plus que le marché de référence, de fait, c'est le marché américain, que celui-ci n'est pas régulé du tout. Donc on est dans une situation un peu difficile. À mon avis, il faut introduire une forme de régulation des prix plus marquée. Mais c'est vrai que la dernière fois qu'Alain Berset l'a fait, en baissant pour à peu près 600 millions de francs les médicaments qui étaient commercialisés en Suisse, il a été confronté à presque 2000 recours de la part de la pharma. Donc on est dans un domaine qui est au cœur de l'affrontement politique. Si l'industrie pharma doit rendre des comptes, si le prix des médicaments doit être fixé, je dirais au moins dans un dialogue avec les autorités, il est évident que les coûts de la recherche doivent être transparents et objectivés. Vous ne pouvez pas d'un côté avoir une black box absolue avec des coûts qui ne sont pas reconstructibles ni compréhensibles pour qui que ce soit, et puis de l'autre, un prix des médicaments, on vous prie de croire que les dépenses de recherche sont celles qui sont indiquées. Donc moi, je suis favorable à des coûts administrés publiquement. Il n'y a pas de raison de permettre à la pharma d'échapper à toute redevabilité, à toute obligation de transparence dans la fixation des coûts et dans les moyens qu'elle engage. Ceci d'autant plus qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la super déduction fiscale dont profitent les entreprises ou dont elles profiteront, la pharma va économiser passablement d'impôts dans le cadre de ses dépenses de recherche en Suisse. Écoutez, ça va pas du tout. Le rôle d'un ministre suisse, c'est de défendre l'intérêt public suisse, l'intérêt public des États concernés, là où il est aussi évident que dans certains pays d'Amérique du Sud, c'est pas de défendre les intérêts privés de l'industrie de la pharma. Je trouve que là, on met notre diplomatie au service d'une cause qu'elle a pas à soutenir. La défense de la place industrielle suisse à long terme, elle passe par la qualité de notre recherche, par son acceptation sur le plan international et par l'apport qu'elle apporte au bien-être global. Et ça implique qu'on trouve des solutions avec les États du Sud. Après des décennies de campagne, on a su le faire pour les antirétroviraux dans le cadre de la lutte contre le sida. Il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on puisse pas arriver à des résultats similaires dans d'autres cas, de maladies contre le cancer ou d'autres.